on a essayé de balayer là, en trois temps, l'avant, le pendant, l'après, la problématique de application mobile et marque, avec des intervenants divers et variés, brick and mortar et pure player. Ce qui ressort, et c'est souvent les mêmes règles qui reviennent, c'est quand je pense et que je définis ma stratégie mobile, je m'intéresse avant tout à mon contexte de marque et la façon dont je vais rentrer en relation avec mon client, donc en mettant au cœur de ma réflexion l'expérience client. Et j'apprends en marchant. J'apprends en marchant. Dans un domaine, finalement, on s'est rendu compte sur la phase, quand on a posé des questions sur la RM mobile, où aujourd'hui, il y a peu d'acteurs qui sont capables de dire « le mobile, ça me rapporte tant ». Tout le monde sait dire à peu près aujourd'hui combien ça me coûte. Assez peu sont capables de dire « le mobile, ça me rapporte tant ». Donc on est encore dans une phase d'apprentissage pour les marques. Nous, à titre personnel, notre conviction chez Carbon Lab, c'était plutôt de penser qu'il y a beaucoup de marques qui n'ont pas leur place au format appli, parce que les places valent extrêmement cher sur l'App Store et Google Play. Ce qu'on a constaté aujourd'hui, c'est que beaucoup de marques veulent y aller et qu'elles pensent pouvoir définir une stratégie qui leur permettra d'engager leurs clients convenablement sur un format application mobile, c'est-à-dire générer suffisamment de récurrence d'usage et d'intérêt chez leurs clients pour qu'ils téléchargent et qu'ils conservent leurs applications. Toutes les marques, quelles que soient leur brick and mortar ou pure player, sont des marques qui se sont équipées avec des équipes digitales. Ce qu'on a entendu aujourd'hui plusieurs fois, c'est que les compétences pour gérer du mobile sont un petit peu particulières parce que finalement, on n'est plus dans une logique de web, on fait du logiciel. Le logiciel, c'est quelque chose de différent d'une page web. Parce que mon utilisateur final fait autre chose que browser, et ça demande des compétences un petit peu particulières qui ne font qu'émerger aujourd'hui, je pense, dans les entreprises, et puis même sur le marché au sens large, puisqu'on a entendu plusieurs intervenants se dire, en termes de traçabilité aujourd'hui, sur une appli, j'ai pas les bons outils, et j'ai pas les bonnes personnes qui sont capables de me dire concrètement c'est quoi les bons indicateurs qu'il faut que je mette en place et comment je les suis sur mon appli. Donc on est encore, je pense, sur un domaine qui est en train d'émerger, de se professionnaliser, à la fois en termes d'outils et de compétences.